Yo les gens, ici Rafé Gaming, on se retrouve pour le troisième épisode sur la découverte de Metal Gear Master Collection Volume 1. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à Metal Gear 3 Solid Haters. Donc, Snake Haters, c'est le mot Solid Haters. Snake Haters. Donc, c'est un jeu qui était sorti le 21 août 2012. Donc, ça fait plus de 12 ans. Donc, c'est un peu moins que Metal Gear son F Liberty. Mais le jeu était sorti sur PS3. Du coup, je vous avais précédemment. Metal Gear 1 qui était sur PlayStation 1, on a eu Metal Gear 2 qui était sur PS2, et là c'est un jeu PS3. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc pour info, il y a un remake qui va sortir, je sais pas quand, mais j'ai Metal Gear Solid 3, Snake Haters en remake qui va sortir. Donc c'est pas un portage comme certains jeux, comme on va dire, je sais pas, je prends l'exemple de. Comment il s'appelle? Merde, The Last of Us qui a été PS3, PS4, PS5, mais en fait en gros à chaque fois c'est le même jeu. Graphiquement ça change pas, bah, juste les graphiques sont un petit peu améliorés, mais gameplay c'est pareil, que là c'est vraiment un reboot du jeu. C'est un peu comme Resident Evil 2 qui était sorti il y a quelques années sur le remake, c'était de Resident Evil 2 qui était sorti sur PlayStation 1. Donc là il y a vraiment une grosse différence gap graphique. Donc c'est parti, on va découvrir ce jeu ensemble. Je vais mettre européen et français. Et comment c'est le jeu? Donc c'est pas en français le jeu, hein, c'est sous-titré français, on va dire. Normalement, il y a une cinématique, je vais pas vous la laisser, c'est un peu long. Blue Point. Donc, Blue Point, c'est eux qui ont fait le portage en fait. Bah, le développement, ce qu'ils disent développement, mais pour moi, il n'y a pas de développement à faire parce que c'est juste un portage console. Ils ont juste mis en HD le jeu, quoi, du coup. Donc, on va faire charger, je sais pas si. Non, je vais faire une nouvelle partie. On va se faire. Alors là, vous avez une question. Première fois que je joue à Metal Gear MSGS. J'aime Metal Gear Solid 2, j'aime Metal Gear Solid 3, et là on peut pas aimer parce qu'on n'a jamais joué au jeu. Donc je vais prendre le 2, difficulté on va mettre facile, juste pour la découverte du jeu. Donc je vous laisse avec les cinématiques et on se retrouve après. World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waist know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? Put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Minutes to drop off. Stand up.
It'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the windshield. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Jack, I've got some important news. Ah non, ça j'ai passé parce que c'est un dialogue à part. Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Donc du coup dans ce jeu c'est un jeu d'infiltration un peu plus que dans Metal Gear 2 parce que là vous avez une gestion de nourriture également, vous devez vous nourrir. On a un couteau, on a rien pour l'instant. Parce qu'il faut récupérer notre équipement qui est là-bas. Donc là ils vont me parler. Do you copy?
You're already in enemy territory. Donc ça, je vais passer les dialogues parce que c'est trop long. Il y a beaucoup de dialogues dans le jeu. Donc par contre, normalement, on peut récupérer des trucs. Ah là, il a enlevé son masque pour vous montrer vraiment son visage de Snake. Donc là, il dit Snake, mais c'est pas le Snake de Metal Gear 1. C'est Big Boss. En fait, Big Boss, c'est en gros pour l'histoire, donc pour le lore de Metal Gear, Big Boss, c'est le père de tous les Solid Snake. Le Solid Snake, Liquid Snake et Solidus Snake. Donc en fait, c'est un porte de clones, on va dire, et c'est des clones, on va dire, de ce personnage-là. Donc lui, c'est vraiment le premier Snake, voilà, le premier Snake. On va passer les dialogues. Ça, c'est chiant d'avoir tous les dialogues. On peut pas passer tous les dialogues, du coup. Non, on peut pas, on est obligé de passer tous les dialogues. Donc du coup, le but, là, c'est de récupérer notre équipement. Donc l'équipement qui est là-bas, voilà. En fait, il n'y a pas de la bouffe, parce qu'on peut récupérer de la bouffe aussi. Tout ce qui est serpents, les lapins, les petits lapins, tout ça. On peut récupérer quand même pas mal de bouffe dans ce jeu. Donc pour se nourrir. Voilà, comme ici, voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est du champignon. Je sais pas s'il y en a par là, des champignons, non. Oh, y a un serpent. Alors, on peut se faire mordre normalement, je crois. C'est de le. Ah, ça marche pas. Ah, c'est bon. Ah, je l'ai eu. Mais là, par contre, là, ce qui est chiant, c'est que c'est de la nourriture. Ah, bah, il y en a un autre là. Donc là, par contre, ce qui est meurt, vous pouvez pas le garder. Alors, par contre, je peux pas me faire. Je pensais qu'on pouvait se faire meurtre normalement. Bon, tant pis. On va aller par là. Hop. Récupérer le stuff, notre stuff qu'il y a là-bas, pour continuer l'aventure. Donc je vais essayer de me dépêcher quand même, pour que ce n'est pas trop long. L'autre, il n'y a pas d'autre truc à récupérer ici. En soi, il n'y a rien. On va récupérer notre stuff qui est là. Notre sac qui est tombé, je veux dire. On va récupérer le sac. Par contre, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je l'ai vu tout à l'heure, mais ça doit être un bug, parce que... On n'a pas toute l'image en fait, en gros. On va passer tout ça, sac à dos, blablabla. Voilà, ça va être long, le dialogue là, il est super long. Super long ce dialogue. Là, vous allez voir, il va durer au moins. Donc, si vous avez remarqué, c'est le même radio qu'il y avait dans Metal Gear Solid 1. C'est la même fréquence, le capitaine, 140-485. Donc, c'est le colonel normalement, mais là, voilà. Donc, là, le but pour l'instant, c'est de rejoindre le camp. Où il y a un, je crois que c'est un scientifique qui est prisonnier, je crois. Voilà, le trouver. Donc on va y aller. Hop. Voilà, on s'en fout les techniques d'approche. Je prends juste mon flingue. Moi, j'ai besoin que de ça. Mon flingue, j'ai un flingue pour endormir. Par contre, on n'a pas d'armes. Pour l'instant, on a juste des armes non létales pour l'instant. Donc, vraiment faire attention. Par des soldats par là. Ah, je pense qu'on les voit. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de soldats, c'est vrai, pour l'instant. Pour l'instant, c'est que des crocodiles. Donc là, les crocodiles, faut pas... Le mieux, c'est d'essayer de les endormir. Voilà, hop. Ils sont combien par là? Comme 5? Je sais pas s'il va pas un truc à récupérer là-bas, non, je pense pas. Alors là, il va peut-être me voir, faut peut-être faire attention. Bon, normalement, s'il se réveille, il peut pas. Ah, il y a un truc là-bas à récupérer. On l'a même pas vu en plus. Il y a un truc à récupérer, je vais essayer de le prendre là-bas. S'il m'attaque pas. Ah, bah, j'ai mon flingue, ça y est. Ah non, c'est des balles que j'ai récupérées. Merde, c'est pas un flingue. Non, c'était des balles. Je pense que c'était un flingue, mais non, c'est des balles. On va aller par là. Normalement, d'avoir les premiers soldats, normalement. Faire attention. Sous les mecs. Donc, après, vous pouvez aussi... Vous voyez, là, par exemple, quand je m'accompris, vous voyez, je suis à 80%. Donc là, c'est le camouflage, en fait. Mon camouflage peut changer à tout moment dans le jeu. Et plus vous allez mettre un... Là, vous voyez, plus 5 de camouflage avec celui-là. Et là, si je mets ça, plus 15 de camouflage en mettant celui-là. Donc je suis plus camouflé. Là, celui-là, écorce d'arbre, bah, j'ai moins 25%,
moins et moins 25%. Vous voyez, j'ai camouflage en fonction de votre. Vous voyez, hop, je vois, je te vois. Premier trophée. Donc là, on va passer à la scène, hein, c'est juste dire pour qu'il y ait des ennemis. Snake. On s'en fout, blablabla. Là, il y a des ennemis ici normalement. Alors, je sais pas, ils sont où. Bon, je crois que personne. Par là, il y a personne par là. On va attendre qu'il s'approche par là, le mec. On va attendre qu'il s'approche par là pour l'endormir. Là, c'est les gardes un peu qui protègent. Là, vous voyez, je suis à 90% de camouflage. Donc là, pour qu'il me voie, il faut vraiment qu'il soit prêt. Hein. Voilà, j'ai endormi le premier. Je vois s'il n'y a pas un truc là-dedans. Ouais, je. Insecte CD. Je pense que c'est quoi. On va fouiller lui. On va le fouiller un petit peu. Par dessus, il y a des trucs. Grenades paralysantes, c'est pas mal également. Voilà, que ça, c'est tout. Il y a personne ici. Faire gaffe, pas se faire avoir là, ce serait un peu con. Il y a un mec là-bas. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire tout à l'heure. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, c'est un souvenir que je viens d'avoir. Vous pouvez aussi casser la radio. Comme ça, ils peuvent pas appeler de renfort. En fait, vous avez une petite lumière là. Alors, si vous visez bien, vous pouvez détruire la radio. Alors, je sais pas, je vais le faire du premier coup. Ah là, j'ai raté. Ah, raté. Voilà. Là, la radio est abîmée. Sauf que s'il se réveille, il pourra pas appeler les renforts. Donc, c'est ça le but aussi. D'essayer de les couper du monde, on va dire. Donc, on va faire pareil pour lui. Lui, il y en a pas. Lui, il y a certains mecs qu'on n'a pas. Oh putain, y'a un mec. Y'a un mec là-bas, merde, faut que je fasse gaffe. What's wrong? Ouais, c'est bon. Il m'a pas vu. J'ai eu de la chance, je vais me faire avoir. Après le réveil, ça dure pas. C'est pas. Je sais pas que ça dure longtemps, mais. Pourquoi tu peux pas monter par là? On peut pas monter par là, non, on peut pas. On va essayer de prendre lui. Donc dans le jeu, il y a de la nourriture. Vous avez une jauge de nourriture. Il va falloir se nourrir. Pour pas bah, mourir, qu'on va dire, de faim. Là, c'est bon, on peut y aller. Je sais plus s'il y avait un autre mec par là. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre. Y'a un mec là, putain, j'ai même pas vu. Oh, il m'a vu. Merde, ils m'ont vu. Non? Ah, c'est bon. Ah, bah, c'est bon.
Comme il n'a pas de radio, il peut pas appeler les renforts. En fait, c'est que ceux qui ont les radios qui peuvent appeler les renforts. Lui, il peut pas, comme il a pas de radio, il peut pas. Donc là, il n'y a pas un truc à... pas un truc à choper là-dedans. Ah, lunettes thermiques, voilà. Lunettes thermiques. Lunettes thermiques, tout c'est pas mal ça, les lunettes thermiques. Ça peut être vraiment pas mal utile également. Pour voir les ennemis, du coup. Ah, je sais pas s'il faut les équiper, les objets, parce que j'ai pas. Nourriture, sac. Ah, peut-être, peut-être les équiper, peut-être sur nous. Grenade. Couteau. Thermique. Ah, lunettes thermiques. C'est pas équipé. Et insecticide, je sais pas quoi ça sert. Comme ça, j'ai lunettes thermiques, du coup, maintenant. Ça peut être utile. Vous voyez, ça peut être utile pour voir les. Surtout les ennemis. Pas les ennemis, mais les sortes d'animaux. Normalement, on peut voir des animaux normalement ici. Alors, je sais pas si je vais le voir là-dedans. Là, je crois, il y a un serpent. Il y a un serpent juste là. Alors, je sais pas il est où, mais je le vois pas trop. Là, il y a un juste là, mais. Faut que j'arrive à le voir aussi. Bah, je le vois pas. Bah, je le vois comme ça, mais. D'être par là normalement. Alors, je sais pas où, mais d'être par là. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Moi, j'ai un nouveau serpent comme ça. On va continuer à avancer parce que je vais pas trop perdre de temps. Je voudrais remonter le plus de choses possible. On va continuer. Pour l'instant, on n'a pas d'armes pour l'instant. Par contre, c'était pas où, faut monter. Ah, c'est par là, faut aller. Ok. C'est par là qu'il faut aller. Ah. J'ai un message, je sais pas qui. Je verrai ça tout à l'heure, les messages. R1. Ok. Donc là, il y a un garde ici. Donc là, pareil, vous pouvez le. Soit l'endormir ou soit faire un truc avec lui. Tenez, il y a un truc là-haut, tiens, à viser. Trophée. Vous voyez? Donc ça, c'est les trucs qu'il faut trouver dans le jeu. Il y a toutes les grenouilles à trouver. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis par là. Ah, tous les mecs ils sont bons du coup là. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. À fouiller. Non, pour l'instant, il n'y a rien ici. On va essayer d'y aller tranquillement. Je pense que là, normalement, les abeilles ou les frelons, je sais pas c'est quoi, hein, ils ont fait leur taf. Ils sont partis du coup à l'autre base. Tenez ça, on peut les récupérer ça. C'est les champignons. Ça peut toujours servir pour nourrir, mais je pense que les champignons, faut sûrement les cuire parce que je me rappelais plus s'il y avait pas un système pour les nourrir, pour se nourrir avec les champignons. Donc là, faire attention ici. On va se descendre. Bah, voilà, c'est normal. Hop. Donc graphiquement, c'est quand même plus beau qu'avant, mais voilà quoi. Donc pour ça, je vous dis, il y aura une version. Fusil d'assaut. Tenir. Ah ouais, mais j'ai un fusil d'assaut du coup, c'est ce que je disais. J'ai bien un fusil du coup, je vais l'équiper tout de suite. Sac. Ah, j'ai un fusil d'assaut. Bah, par contre, j'ai pas de chat. J'ai pas de. Je crois que j'ai pas de. Je crois que pour cette arme là, j'ai pas de silencieux, je crois. Je pense qu'on a pas de silencieux pour cette arme là. Viser, ok. Bah, pour cette arme là, j'ai pas de silencieux. Malheureusement, dommage. Ça c'est normal, hein, c'est scripté. Je peux pas y aller sur le travers. Donc moi j'ai une arme pour me protéger au cas où. Si on a besoin d'armes. Eh, monte. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il monte pas là? Là ça c'est bon. Hop. On va continuer à avancer un peu. Oh. Y'a un mec ici.
Mais personne. Y'a un mec qui arrive, putain. Pourquoi ce bordel, pourquoi ils arrivent par là eux? Oh, je vais me faire avoir moi. Pourquoi ils passent par là les mecs? Ils sont juste armés ou quoi? Pourquoi ils viennent ici eux? Là, ils vont me voir. Mais ils vont pas me voir normalement, je pense pas. Allez, traverse le pont, trop bien. Ils sont partis les mecs? Ouais, ils sont partis là-bas. Il y en a un qui est resté là, à mon avis, je crois. Hanoï. Ah, il y en a un qui arrive là. Continuer à faire notre avancement. Je récupère un peu de stuff, ce que je peux récupérer, des grenades, tout ça. Du coup, qu'il y ait une bataille. Non, ça va, on va essayer de détruire ça. Hop. Je sais pas s'il y a d'autres mecs là-bas. Ou soit les mecs sont barrés, non? Ah, ils sont là-bas. Ils sont barrés ou ils sont morts? Faut pas, que je le fasse tomber. Oh bah merde, il est tombé. Ah, y'a un autre mec là-bas. Je sais pas si on combien là-bas, mais y'a un autre mec là-bas. Bon, je voulais le laisser, je vais pas m'amuser à user des balles pour rien. On va continuer vers la l'objectif principal. Pour l'instant, c'est d'aller jusqu'à là-bas. Ah, par contre, prendre de la bouffe, ça peut toujours servir. Il y a encore de la bouffe par là, non? Donc on va aller à Razvet. Razvet, je sais pas quoi, c'est une mini-base. C'est une mini-base, au fait, où il y a des soldats. Donc l'ambiance est vraiment bonne. Hein. On va écouter ce qu'il dit. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back. On va continuer. Hein. Alors, je pense qu'on va arrêter là, on va faire cet objectif là, après on va arrêter. Ah, il est trop loin le mec. Oh, j'ai plus de chargeur. Ah, pas de chargeur, mais j'ai plus de... Le silencieux. Ah, c'est bon. C'est moi qui l'ai eu. Bon, j'ai eu deux mecs du coup là, pour l'instant. Ah, je sais pas combien il nous reste de mecs, mais il doit pas en rester des masses. Hein. Au pire, je vais prendre mes jumelles thermiques. Je vais pouvoir savoir combien il reste de mecs. J'en vois un d'ici là déjà. Là, il y en a un juste là. Je sais pas s'il va me voir d'ici. Ah merde. Elle est partie. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de renforts là-dedans. Il y a un serpent là, je sais pas si vous le voyez.
j'essaie de me rapprocher petit à petit. Il n'a pas l'air d'en avoir là-bas. À mon avis, il reste encore un mec à l'intérieur, je crois. Il y en a un là-bas, je le vois d'ici. Ah, il y en a peut-être un derrière l'autre côté aussi. Il y a deux mecs encore à l'intérieur, je pense. Il y a encore un autre serpent, non? Il y a un mec là. C'est bon, je l'ai eu. Faut essayer de fouiller les mecs. Après, normalement, entre le réveil, vous avez quand même de la marge. Donc les mecs se réveillent, il y a encore de la marge. Ah, y'a rien. Voilà, hop. Le principal, c'est pas de se faire avoir. Je pense pas qu'il y a un mec là-haut. Je crois qu'il y en a un autre là-bas, mais je sais pas. Ah, il est là-bas. C'est cool, le bruit qu'on entend, on croirait qu'il y a un mec qui descend des escaliers. Merde, fait chier, comment je fais pour... Je peux pas l'avoir par l'autre côté, lui. Il y a un mec là-bas. Il y a un mec là, qui est là, juste là. Oh, il va me voir, lui, non? Allez, retourne là-bas, retourne à cette application. Il arrive. Ah, il se barre. Oh putain, il m'a vu. Oh. Merde, putain, je fais un con. Ah, j'ai fait le con. Il a pas de radio, lui, c'est bon. Il a pas de radio, je crois, lui. Ouais, c'est bon, il a pas eu de radio. Ouais, j'ai de la chance, il a pas eu le temps de... Je crois que c'est un mec qui a pas de radio, lui. Je vais l'endormir pour être tranquille. Et je crois que lui, c'est un mec qui a pas de radio. Donc il n'y a pas de danger, normalement. Ah, j'ai failli me faire avoir. Regarde s'il n'y a pas du stuff à récupérer. Ok. Je vais quand même faire une petite balle sur les autres qui sont là-bas. Pas qu'il se réveille, les mecs. Lui, il a pas de radio, lui. On sait jamais qu'il se réveille. Je vais faire remettre une petite couche. Il se réveille. Oh, j'ai eu de la chance. Et l'autre, il est où, l'autre? Il est là-bas, merde, le con, il s'est réveillé.
D'un coup, il pourra pas appeler les renforts. On va fouiller un peu dans la zone, normalement, il n'y a plus d'ennemis, normalement. Théoriquement, il n'y a plus personne. Ah, des munitions ici. Ça sert à rien de prendre tout. Je crois que normalement, tout le monde est mort, normalement. Ah, tout le monde est endormi, quoi. Donc là, vous pouvez planquer là. Ah, je peux même pas me planquer. On peut pas faire comme les anciens Metal Gear. Ah, d'accord, ok. Hop, Medic V. Je pense qu'il n'y a plus personne dans le mois ici. Hein. Voilà. Donc voilà la cinématique. Cinématique de. Pas de fin, mais la cinématique. Donc moi je vais vous laisser après cette cinématique là. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. C'est Ocelot. The army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since, je vous laisse avec les cinématiques quand même. 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Je sais plus si y a un combat contre Slot, je pense pas qu'il y a un combat contre Slot, je m'en rappelle plus. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Je sais plus s'il y avait un truc à faire, je m'en rappelle plus. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? Par contre, c'est vrai que celui-là, au niveau du visage, il est bien fait. Truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go.
Major, this is Snake. Vas-y, on s'en fout, vas-y. Je sais plus s'il y avait un truc à faire ici. Je me rappelle plus ce qu'il y avait à faire. Oh, je crois qu'il y avait une cinématique, je crois, ici. Toujours fait rire le vieux avec ses trucs de karaté là, regardez. Merde, on est cerné. So this is the legendary boss. Ah, Ocelot. Ah, c'est Ocelot quand il était jeune, Ocelot. C'est Revolver Ocelot quand il était jeune. You, you're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Ah. What's a crew soldier doing here? Soldier? Bah, c'est vraiment quand il était jeune, hein. C'est au slot, normalement, il est plus vieux que ça, normalement. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Ocelot. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Il est fou, le mec, il arrive à tirer à travers en ricochet, quoi. C'est quand même je pense que c'était un jeu qui était quand même Peggy 18, je crois, celui-là. C'est quand même violent quand même quand on regarde, hein. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? J'ai hâte de voir ce jeu quand il sera en 4K, bah quand ils vont faire le nouveau jeu. Voir les graphismes, quoi. La différence de jeu, quoi. Le mec, il fait un bruit de chat, quoi. Crew operatives. What is that stance? C'est quoi cette posture? That gun. Et cette arme. If you're not the boss, si vous êtes pas le boss, then die. Toi, vous mourir. Oh,
the other one. Whoa! Parce que tu l'as eu. Ah, il s'est fait empoisonner. You've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! En fait, c'est pour ça que plus tard dans le jeu, il s'est appelé Revolver Slut parce qu'il avait un revolver, quoi. Comme un. Some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Il s'évanouit. Il va rappeler ses chefs. Il s'est pas débrouillé sans son chef. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snakes. Ah, débutant, nouveau trophée. Bon après les trophées, je vais pas le platiner le jeu. Donc voilà, ça c'est fait. Je sais pas s'il a une arme sur lui. Y a pas un truc sur lui? Merde, ouais, je suis en train de tirer dans le vide. Souricière. Je pense pas qu'on peut le tuer, je pense pas. Hein. On est endormi, hop. Bon, là, du coup, je vais vous laisser là de toute façon, je pense. Ils ont rien sur eux. Ils ont rien sur eux, donc moi je vais vous laisser. Par contre, il est où le vieux? Il est parti où le vieux? Pourquoi je pensais qu'on pouvait rentrer les tirants, mais on peut pas rentrer dans les trucs? C'est bizarre. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. Moi, il fallait que je continue l'aventure, mais. Vous voyez, le bateau, la barrière est ouverte. Ah non, on peut pas rentrer par là. Oh, la barrière est toujours fermée ici. Je veux dire que c'est toujours fermé. Je sais même pas ce qu'il faut faire, du coup, on passe par là, tant pis. Par contre, faut que je trouve l'autre. Il est où le mec? C'est planqué où? Il est planqué quelque part, non? Oh, l'épaule. Ça, faut passer par le côté, peut-être. Quoi, pareil? Mais les souris. Un serpent. Voilà. Même les souris, vous pouvez les endormir, regardez. Attends. Hop. Ah, là, je peux pas, c'est des rats. En fait, vous pouvez tout endormir et garder tout. Ah. Encore un truc là. Voilà, hop. Après, vous pouvez manger, mais je crois que
Je crois que les serpenteuses, il faut les faire cuire, je crois. Vous pouvez pas les manger comme ça, je crois. Si je mange le python, par un python ridicule. Alors, je sais pas si ça fait manger. Ah non, python géant, c'est. Par contre, c'est bon, les pitons géants. Vous voyez, ça me redonne ma vie. Par contre, vous avez une limite d'eau que vous pouvez mettre sur vous, par contre. Donc voilà. Vous pouvez pas en avoir des masses. Vous pouvez en avoir un autre là par là parce que. Il y en a un autre ici. Il y en a un gros autre ici là. Moi je peux pas le prendre de toute façon ça. Hein. Donc moi je vais vous laisser là du coup, je vais pas continuer. Je sais pas par où faut passer, je pense qu'il faut. Je me rappelle plus par où vous voulez passer. Je sais plus s'il faut les pas passer par là. Non. Alors je sais plus ce qu'il fallait faire, je me rappelle plus du tout. Voilà. Plus aucune idée. Bon voilà. Donc moi je vais vous laisser là, c'était la vidéo découverte du troisième jeu qui est inclus dans Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Master Collection. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est bye bye, portez bien, peace.